Chefi ya dila dio muzulu. Aux hommes candap psaume 116 de 1 à 12. Loyembo ya Dawidi, Mokabo 116, verset 1 à 12. D'être aussi si bon à combattre à ta mort, la petite amolie Monsanto,
Toleki na premier tour de champ dengue troisième milaka. Zala na ngonyo
Bye.
Mukanda à Tite. Tite chapitre 3, verset 3 à 5. Kati na matei na biso, trozala na ma verset, msus trotanga, me rozala, juste pour na expliquer pe goleka. Tobonde la. Na zola kwa se ye mwana ye mwana vele la. Nzambi eto papa simo kimbao kiangandi antete tuvutu lifunda la matondo kwa ngeye nsemi azule nza. Papa wunu ilumbu cha kinene ilumbu cha vundu. Unza mvimba makande zindinga bana bakuma minitombo kwa miongo mizanza. Una yengo lokelange wa nzambi eto. Beto mupawa sa Paris Saint-Denis. Tuizi liva fulwe kitu kuizanga imbila esanisi na mkumbwa. Papa munu ntololo mpasivo ya longe la diambwedi. Impasi muntu, ifofala kia muntu. Papa, ikubo kelenge musu wiza omvwata. Impasi vomo mangeye makala yami, ye maraika munuami. Kuyambu likovo ki muntu, kia mono papa kia sala. Kadidiambu tuizi divafuku kiputuwa wonto, nutovuluzwa. Dina uzwa kaletu wonto. Konto, konto mwana, mnankanda kwa fididibu kaluwe kivafuku ki. Ngenzambi eto mvana mvutu. Nkenda zako ntsamza kutulombele za tuyala, tukangia ntukulu tentukunu, mnazula kwa se, ye mwana, ye mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu. Denge tuwebi tutanga ki na mukanda ya psaume. Psaume 116. Tuwebi te psaume za liba nzembo, oyo bana Israel babandara ko yemba. Surtout na bobimi na bango kati na boumbu. Banzembo toyebi ezali 150. David azwaka komaka mwa banzembo ya mingi. Bana kola pe bakomaka, Azafa komaka, Moïse pa komaka. Nathan. Kasi biso lelo awa toyoki banzembo ya ndenge na ndenge oyembami. Pamba te na tango wana bango banzembo na bango ezalaka sende en deux catégories. Ya mabondeli pe ya kokumisa nzambe. Obabengaki teshlim na tofilo. Me na tango na biso tozali kaka na deux catégories te. Tozali na banzembo ya kokumisa nzambe. Tozali na banzembo ya kolelele pa nzambe. Tuzaini la banzembo ma KBC. De oto yoki na mkolo malelo. Tangu na yoki banzembo nyo soyemba mi awa ya solo. Tomone te tuzaini na kati na fete munene. Tuzaini kuswa tata nzambe. Pamba te banzembo yemba mi yesengo nesengo. Ona nini? Pamba te tuzaini tuju kati na mbotama ya mkolo Yesu. Tata ya Dungana. Outa mukolo mwami ne le 25 mai. Ti le loto yembe li banzembo ye sengo. E bangwami sato ya boule. Bazali na biso awa, bazali ne sengo. Ya komo na ete to yembe li bango na mukola liwa mnene. Pamba te biso nzambe asila ko pesa biso ba sekret. Mingi ya likolo ete. Na mikolo na bango likolo ekozalaka ya kofungwana. Nde mabondeli na biso soki obongami na yo, ekokendeke direct pa na ye, nde ozwi yano. Na banzembo toyembi, bana Israel petamba yembaka na kobima na bango kati na Egypte, ezalaka yesengo.
Mais tomoni te musika te tango ba komi nakati na pasi ezalaki na bango yima yima. Biso lelo yo papa Simon Kimba onkanga ni banda na mbanza sanda bina biso mikolo ko ya ba nzembo mawe ko zala suté ya esengo na esengo ndenge yemba mi am ko la lelo ba nzembo nyoso to yembi yesengo ya solo tuzayi toujours nakati na mbota ma nkolo Yesu Messia uta mukola mine mais mukola mine ba poser biso question to yambela ki ndenge nini na mitema na biso pamba te mbota ma na ye ya mbaloyo ezali ya mulimo. Tuebite tangu ayaka epa ya Bayuda, Jean-Baptiste yenda ayaka pona kubungisa nzela. Ete boso kola mitema na bino pamba te mwana na nzambe akubotama. Na mukolo mwa lelo, ye asili kubotama, mena nzoto te na mulimo. Menga ina yoto yambeli yendenge nini. Pamba te, tant que tu as dit que tu as dit que tu as même ceux qui ont des difficultés dans la vie, même si tu as dit que tu as dit que la préparation, les yètes, les cambounios, pour que tu aies dit que tu as dit que tu as dit que famille. Mais si tu as maman, que tu as dit que tu as dit système était. Il faut aller en voiture, en taxi, en barabala, klaxon, en zobeta, en bimi, en otala, en outina, en maternité, en oyon, en tindikat, en famille. Même si je suis là, 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 Noël partout, je suis surtout dans Mboka. N'en parlons pas. Mais ngai na yoto yambeli yendenge nini. Position spirituelle o yangai na yoko banda mukolami neti lelo ezali ndenge nini. Est-ce que tu évolues ou bien tu zali toujours na mikakata nokati na mitema na biso ndenge toki na libonde liya mama awa. Pamba te banzembo to yembi esengo. Je vois très mal mutoro yemba nzembo yesengo na passe na motema to na kanda na motema et que se mariété donc muto azali pepele wazane sengo kat na motema yetango yembi nde nzambe akoti kat na ye ya solo nzembo na batibiso to zoyo kango to mona ete ba voix nous se concorder et la musique souvent et ozala komona ba fausse note. Tu es bien à l'époque, quand tu m'as dit, tu es bien à Robert Samiziki, à Luka, à Rotal, à Rotal, à Rotal, à Bino Nyoso, à Yepa Moutabando Beta, il coffre, à Bando Beta, il m'a coffre. Yen Zamba Yebagitina. Mais n'a pas ce soulier mouke, tu m'as dit, tu devines, tu as dit, ah, peut-être à Tamboli bien, tu es, il y a papa Moni, ma Bekatinaye. Wane Zali, n'est-ce pas, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu les loyaux. Nakoya to ye motuna karande yango wana. Est-ce que wuta mukolo mwa mine ti mukolo mwa lelo tozali vraiment na symbiose na nkolo yeso abotami? Est-ce que abotami penza kati na motema na yo? Est-ce que abotami penza kati na motema na ngai? Soki ya solo abotami kati na motema na yo, nzambe akoka kosangana na salitete. Soki ozali na salte kati na motema na yo, yeba ete mwana na nzambe abotamaki kati na motema na yo te. Soki opreparaki koya na ye te, yeba ete abotami kati na yo te. Me toyebi ete lingomba oyo ezali ya nkolo Yesu Mesia na motindami na ye tata Simon Kimba. Ye nkolo Yesu aponi biso. Poete mukolo mwa lelo biso benga babaki mbangiste bana kati na lingomba na ye. Me ya solo soki to ya ki penza ete ko bana mukwamine ba problème na biso kala oyo to kokaka ko se débarrasser na ngote nde ya ngoto memiti mukolo mwa lelo nde ko nangai tango ezali mona ba pasteur tubela tubela longola pasi wana kati na motema pamba te le pardon libère. Awa kati na nzembo oyo
tokendeka na passage ya suka na mutuna oyo moto oyo azu délivrance à lobi pambate à lobi na zalaki katina libulu ya liwa menzambe na lelela kiye aye ko bimisanga ya bikisingai mais na oyo na passage ya suka ya lobi na biso boye David. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Motuna wana ezali na ngai, ezali pe na yo tata na mama. Bolamu onkolo Yesu, Messia, papa Dialunga na kyangani, asaliete, tomo na mkolo mwalelo, to ya a mkolo mwalelo, to kozong sila yango ndenge nini. Na koswana, na kozanga bolingo, nako yinana na kanisite pambate mukola lelo ezali fête munene ya mwana botami attitude na biso il faut échanger na psaume to leki na biso toke kuna na ibeko totanga ki na Deutéronome mibeko oba na Israël bazwa ki ngo na kobima na bango na Egypte tang ba komi na mwa Sinai nde nzambe abengaki Moïse matapo etazoni beko pe kotambisa bana na ye mpo na bakoti na bango kati na mboka elaka pamba te alingaki ete bango mpe bazala petwa mpo mokili apesi bango ezali ya petwa le pays ukule le lait et le miel donc alingaki ete bakota petwa me balobi na biso ete écoute Israël les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici présents aujourd'hui. Alliance oyo lelo yo ezotala ngai na yo. Eza so batata na biso te. Mais hier le binabiso était mibeko toyoka apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Mibeko zomi obasali biso rappelle lelo to apprendre ngo soigneusement et to mettre ngo en pratique. Pambate mobeko kotanga yango to koyoka yango ezali bien. Mais qu'on mette en pratique les alliés mieux. Yango biso, mon béco zali ko tanga ma mikolo nyonso, bisika nyonso to kokutana, na ba circonstance nyonso bazali ko rappeler biso mon béco. Mais mon tunda kaka, mise en pratique nango, est-ce que to zali ko saela yango? Est-ce que ngai na yo to zali ko sala oyo nzambe zali ko tsenga biso? Ce qui to zali ko saela yango nde zali sengo. Mais ce qui to zali toujours na kati na goyi goyi. Bande konangai madame Tolongwa. Tolongwa pambate nzambe na mayazali ko promettre biso ko zanga nkembo yango e kozala pasi. Ko tala kaka ndenge banzembo yembami awa esengo ya ndenge wana. Mais imagine pe esengo ya l'autre côté ezala ka ndenge nini. Est-ce que to signé na biso penza ete ngai penza na ndimi na ngana kota li felo? Est-ce que c'est pour ça vraiment que tu se déplaces à ça? Au tel abonnement, il y a des difficultés de transport. Dans l'hiver, dans ma lili. Au tel asiko, moi, trouvant dans l'endroit où tu es, dans l'endroit où tu es climatisé, je suis là. Ici, dans ma lili, il y a pio. Tu as dit qu'il y a vraiment, tu as signé vraiment que. Tu as signé du fait. Je ne crois pas. Quand il est grand temps, tu as été mettre en pratique, tu as basé le colobanabiso. Mibeko zomi pe les 12 préceptes oyo ngomba pambate papa kulutu alobaki na mbuta na biso moko ete bonheur ezali ko kozala en bonne relation na tata nzambe e kozala en bonne relation na tata nzambe ezali ko simba mibeko na ye kosalela yango pambate nzambe akosepelaka kaka na oyo akotosaka. Ce qui est la Bible mon bimba, Kobanda ne bandeli ti l'Apocalypse.
Nzambe azali ko insister toujours na likambo etali botosi. Même si totali histoire a ko na biso Abraham azali te azala ki penza camarade Nzambe. Mais na tina ka ko zanga botosi nde amemaki botana na bohum. Mais na génération o ya lobi na biso te 4e génération ezali souka. 5e ezali te. Ce qui est la première génération, tout le monde a quitté. Il y a Mawanaïa repêché Bissot, la deuxième. La deuxième, tout le monde a repêché Bissot, la troisième. La troisième, tout le monde a quitté. Il y a repêché Bissot, la quatrième. Mais si c'est la cinquième, il y a été. Mais pourquoi il y a si il y a repêché Bissot dans la génération Nini? Il y a un peu de temps, si tu n'as pas maté le programme, tu es très chargé. Toleki na biso tolobika na tina na mobeko nzambe azali ko senga biso kaka likambo moko botosi botosi kaka soki to tosi mobeko na ye to tosi liloba na ye pamba te liloba nyonso ko bima na munoko na ye ezali mobeko nde wana tomoni bisengo o ya bombeli biso na ozo ya liboso to komona yango mingi to vivre yango to komi kufela te na matei na biso ya lelo. Na mikanda ototangi na Hébreu chapitre 10 32 à 35 trop bande la moi mon quête na combat tata mon appel tata mon. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions de l'autre, vous associant à ceux dont la position était de même. En effet, vous avez de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que de bien meilleurs et qui durent toujours. Tobo sanate, ah wapola le binabiso. Tant que ton dimelara di kambo, oh ton dimelara papa Simon Kimbango, ton zalara exposé na ma souffrance, na ma finga, na kocholama. Mais ton tenaka ferme. Tu es bien, ma maman a mis au temps, on a au lati qui t'emballe, au secaïo, on a barabala. Mais il est là qui t'emballe, il est comme dans mon gomba nios. Tu es bien, tu es au fin de ma ca. Tu es au pèse en bon, pas d'engenda pour l'antinsani. Mais il est là, il est au est comme dans mon gomba nios. Tu es ma ca. Et tu es là, ferme l'air, on a. Quand tu es là, il y a un bon, on a. Ba Hébreu boye. Na chapitre 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Toi abandonner assurance na bisoté ou ezali attaché na rémunération mounene. Assurance. Ce qui t'a développé, mon mouké, mon assurance, totali, moutoua, rosalara, en assurance, rosalara, l'aise. Na voiture, tout temps, la ramite, tout chauffeur. Tant que voiture, on a vu, vous allez assurer, vous allez à l'aise. Même ce que mon policier n'a dit là, même en coutant une escape, vous allez comme ça la contrôle. Vous allez n'a pas raté. Pas en bateau, en assurance, était moutoua, na yo, vous allez assurer. Même ce que c'est l'accident, au tout 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 au reçoit kaka, mikanda na yo pesi bosali constat po yebi assureur na yo azali. Yende mta rosala les restes. Biso pe papa Simon Kimbangu kyangani, a pesi biso assurance wana. Albi na biso faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Mais assurance, est-ce qu'assurance c'est ali car le fait que ozo vignette. Oh tiens, na parprise. Vignette, c'est vrai, ils ont les papiers. Mais ils ont la valeur.
Vignes toi nous reçois valeur ce que fouti assurance na yo. Nde na tango wana na tango likama tango ba bengi assureur na yo rotale lo liboso est-ce que azali en règle par rapport à ba cotisation na yo. Assurance. Est-ce qu'assurance soit nangai na yo toza nango? To lati vert blanc zali vignette. Yango to bambi na mituka na biso. Tango tozo ya batu so bazo tala me bato balati vert blanc ah bakimbangiste. Ah bakimbangiste. Mais est-ce que c'est une assurance? Est-ce que penda bako koloba ke yoza penda solo kimbangiste oza mona bolingo mibe ko misala parce que yango nem te zali ko différencier biso eza tenu te to lati. Assurance na yo ce que fouti yangote ce que fouti la yangote vignette na yo bambi na pare-brise et ça na valeur mon côté yango papa le bina biso bolingo mibeko misala voilà c'est ça la vignette ça na valeur auto bamba na pare-brise na biso ce qui to tie bolingo to tie mibeko to tie misala wanande. Tant que nous avons dit que le contrôle, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous bien que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que c'est difficile, mais essayez. Tomeka. Na Paul, na Hébreu, tu as dit que nous avons 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 Trolobela Kala, Petrolobela Sika. Pona Oya Kala, Oye Teline Bisso, Batuto Kota Kala, Tozoa Batissimo Kala. Ne Trotanga Yamona 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 12. Pardon, Wane Zalipona Bandeko Baru Yambama tout à l'heure. Verset Wanande, Ezali, vraiment dédié à Bino, Baeboye, qui rejoindre Bissot. 1 Corinthiens, chapitre 13, 11 à 12. Et le Binini. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Nakanisi, mkoloma lelo, ezali mkolomu nene, et bino, regardez, yango jalousement, kat na mette manabino, ete, yokaki, mbela papa simo ki mbam kiangani. Ye a bengi bino, pou ete, yebo, rejoindre, yebo, pesa ye maboko. Ye morom ta sali moussala oyo, ezali bisote. Ye morom ta ye, kolobela bino moko moko katamitema bozu décision on était il faut na landa na sala papa simo kimbang kasiya le bina biso lobi to banai ko penser le kola bana to banai ki ko raisonner le kola bana to banai ko loba le kola bana kasisiko yo le kola to komi bato nde to faire disparaître o ezama b et li kola bani. Lobby, tout nous était permis. Tout ça, on a besoin de nous ligner pas mater. Tous ceux qui sont des sympathisants ou tous ceux qui n'a mangomba misusu, oh, ils ont tiré pendant mon béco les 10 commandements de vous sauter. Ma cambo mingi, tu m'as dans ça, tu y es bagaté et tes alli ma bé. Mais tant où y est mon papa Simon qui m'a encore gagné, que le bagat a mité mon abisso, dès tous une décision était à solo cette fois-ci. Comme Kabolanda, pour être tout l'andantila penda solo. Yango wana, tout à l'heure, tant que tu yambama, ne conseil Rosala est de faire disparaître Oyo Nyonso. Oto yebakate, tu mon apole nango, kat nanzila est à ta molimo centre. Ne pona biso, baye tu yambama kala, conseil kakatropé sanande zaina tite. Tout le temps a dit tout à l'heure. Tite chapitre 3, versets 3 à 5.
Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les bains de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nabiso, tu repères un conseil à Tite, tu redonnes un conseil à Tite pour Nanini. Pambate, bandeko Nabiso, bayeko rejoindre Biso. Ya solo, maman Longi, mukolomswa te yaka awa. Alobi Nabiso, alobara Nabiso likamoko, et retenir attention dans la mingi. Ya alobara été, na libanda. Bandeko bandimeli nanu papa Simon Kimbangote vu ndenge tozalaka en uniforme makamu na biso ba mariage ndenge olekilaka ba mona rabi futo zara na bolingo makasi metango ba kokota na kati na ndaku ba komona ete esika ya vandi batu bazotonga mate ezo leka awa na ba coin batu bazo beta masolo ba moni siko yo difference ya ndenge bazulaka biso. Nandeye ba moneli biso na kati. Même kolo malelo papa Simon ki manki anga na lobi na biso a pesi biso avertissement et attention mingi pona biso batoza déjà ya kuvanda na kati. Ete batuna ye oyo bako yamba mukolo malelo ye moko mtasali musala wana akai ko benga bango bamsuna bandoto bamsusuna ba diverses formes ye moko bengi bango baya. Balandaye. Mais ngai tango mundeko bako yamba ye lobi avandi pene na ngai na bandiko kotse masenginya na bandiko tonga batu na misu na ye na zali ko chola ye metopo sanate ete biso musala ba pesi biso ko kotsa bandimi na kanisi aso to bito la tsamisapi combien to kotsa moko moko nani na matei na ye u ne tamboli na ye akoti mundimi moko mi baleto misato toza presque pas mais nous sala onyo so papa Simon Kimbangu yemo mtazo sala mo ya mona ya pesi biso mise en garde kuna na Matthieu 18:7 ya lobi malheur l'homme par qui le scandale arrive. Ce que tu as dit, c'est un bon passage. Il faut retenir attention à ma penza. Je suis dans le lobby. Je suis dit que papa Simon Kimbangu, pour pas baptiser Simon. Je suis dit que papa Simon Kimbangu, mais Bisso, tu as déjà tout ça en place. Je conseille que Pessami Nabisso, il y a Matthieu, chapitre 18, verset 7. Tout peut sa scandale la bande d'écho au baye pour rejoindre bisoté pambaté et écouter biso cher et écouter biso cher n'a pas ce papa Simon Kimbangu azomona n'a pas ça yaza na ngona milimo na yaza liko luka gauche à droite yango wana pour s'attarder na biso longtemps té na kanisi na bande d'écho ba rejoindre biso na ko singa kaka nzembo moko et clôturer pe matin na biso wana. Nzembo au Korekia yemi na deuxième tour. Tout l'an dans Nzembo na malamu. Parce que Zaliko concerné ngai na yo oto ndimeli papa Simon Kimbangu mukola lelo to rejoindre ye ete azala na biso bisika nyonso. Azala biso petango nyonso. Pambate Satana posa na ye abe bisande biso. Pour Satan a reçu pelaté et si gaio zalaki obanai ko sala ne makamnyoso na bandeko komela ko bima
kosala oyo nyonso nzamba sepelaka nango te bozosala ensemble mais lelo bino bondimi botika wana bolanda ye bakozala na esengo te nde nzembo oyo nga personnellement na dédié yango na bino bolanda yango très attentivement nde tokosukisa na biso matei na biso wana Koreki biso banso to yoki na biso to zwa batisi mokala na bayeba kozwa satana za mobebisi posa na ye nini
alonga bisoto kwe sa eloko wana oye asepela. Ne nango ate yale le pesameli bisopo ete toza la mayele, toza la mayele. To kwe sa eloko motuya onza ba pesabisote. Po satana, surtout na bandeko ba ou rejoindre biso, lenge na lobi yango, nzembo wana eza la ranabino tango nyonso, yako yemba na tango apasi, na tango ya ba tentation, ete nzamba sali sa biso, po ete to kwe sa eloko wana te. Pamba te satana biti na ye yango wana, to kwe sa yango po ya sepela a to longa te. Et aussi ce matin, na biso boye na kombo tata, moi na pe tata molimo santo. Amen. Totele matobondela. Mna zola kwa se ye mwana ye mwanda vela. Esedeto na mazulu bika zina diabu de zitu swa. Bika kimfumu tia kukiza. Bika luzola kula vanga mava vanto to rotu mazulu. Diako ito kwa lumbu ka lumbu tuva na komu lumbu eki. Otu yambla mfuka zeto bonso tu yambudi batuvu idi mfuka. Kutu twala ni komu na mpuku munu ka anto tuvuza kwa mkwa yambi. Kadiki mfumu ikiaku ye ngolo nkebo enzitu swa mvu ya mvu. Muna mkumba se ye mwana velela. Amen. Amen. Sengi nzembo. Ala ye mwana wanzambe oyo aye libisa. Yo ke la maloba maye, tala ye, un, deux. Tala ye, mwana wanzambe, oyo a, ye li biso. Yo ke la maloba maye, ya kani to landa ye, se nyo so na likolo. Bipesa meliye, talaye, mwana wanzambe, oyo a, ye libiso, yo kela, maloba maye, ya kani, tolandaye, se nyoso, na likolo. Bipesa meliye mbala ya liboso oyoko mokili nde baso sola kate ete ye kolo wa bakolo mokonji wa mokili mabimba tala ye tala ye yo kera maloba maye, landa ye, kino suka okobika. Bolingo mondele wanjambe olola, oyo tindela biso mwana waye. Bolingo mondele wanjambe olola, oyo abombe la biso elakoyo. Mbala ya liboso, oyo komo kili, nde baso, sola kate. Ete ye, kolo wabakolo, mokonji wa mokili, mobimba, tala ye. Tala ye, yo ke la maloba maye, landa ye, kino suka okobika. Moli Momo Santo, to uti kosilisa parti na biso kultuel. To koleka na parti oyezali destiné na cérémonie baptismale. Et pour ce faire, nous allons demander au révérend pasteur Dilo Benzi Kondo Jean-Marie de bien vouloir passer devant pour la suite du programme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour cette partie baptismale, je vais dans un premier temps demander au révérend pasteur
Makiese Tumona, Wankana Kisolokele Charles, Mfinda Mangoïsa, au papa diacre, Tiangani Feza, papa diacre Kapita, papa diacre Wavewakio, de passer dans la salle à côté. Et maman diaconesse Ngudizinga. Thank you.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons commencer notre cérémonie baptismale. Pour ceux qui sont venus pour la première fois partager cette journée événementielle, ces moments cruciaux de baptême, nous vous informons que cette cérémonie comprend trois parties. Premièrement, la réintégration de chrétiens kimbanguistes. Deuxièmement, l'accueil, la réception au sein de l'Église de convertis. Et troisièmement, c'est le baptême des catéchumènes. Pour un bon déroulement de la cérémonie, nous demandons à nous tous un comportement exemplaire, un comportement digne, parce que nous sommes devant Dieu. Et cette cérémonie est sacrée. Nous allons commencer par une prière d'ouverture qui sera suivie par la lecture de textes bibliques. Je vous invite à la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Dieu de paix, de grâce et de miséricorde, pour ce temps béni que tu nous accordes aujourd'hui. Nous voulons procéder au baptême de tes enfants conformément à ton commandement qui nous demande de faire de toutes les nations tes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, nous t'appelons Papa Simon Kimbangu Kiangani, Père Saint-Esprit, pour que tu nous éclaires de ta lumière spirituelle tout au long de cette cérémonie et après, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire deux textes et après nous lirons le précepte de l'Église. Nous ferons notre première lecture dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, du premier verset au 14e. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité,
mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons faire une deuxième lecture dans le livre de Deutéronome. Nous lirons le commandement de Dieu. Nous allons le lire en entièreté, alors que nous pouvions aussi énumérer simplement les lois. Nous allons maintenant lire les 12 préceptes de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le principe fondamental et inaliénable dans l'Église kimbanguiste. Ces principes sont inaliénables dans le temps et dans l'espace. Premièrement, la fidélité à la Bible et particulièrement en l'enseignement de Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Troisièmement, la création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. Quatrièmement, l'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. Cinquièmement, la fidélité au symbole de Nicée. Sixièmement, l'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. Huitièmement, la croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité. Neuvièmement, la fidélité aux 10 commandements tels que récits de Dieu par Moïse. Dixièmement, l'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. Onzièmement, la condamnation du racisme à travers le monde. Douzièmement, le pardon à autrui. Nous ne pouvons pas faire l'économie des interdits kimbanguistes inaliénables dans le temps et dans l'espace. Ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer et se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande de porc et de chimpanzé. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter des féticheurs, devins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles païennes. Ne jamais porter le deuil, à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige. Nous allons maintenant commencer notre cérémonie baptismale. Nous allons d'abord commencer par le Saint-Élément, c'est-à-dire le pénitent. Il s'agit de chrétiens qui ont été mis sous pénitence par l'Église. Ils ont reconnu leurs péchés et se sont décidés de revenir au Seigneur. Ainsi, je vais demander à Papa Diacre d'appeler les Saint-Élément pour s'agenouiller devant les pasteurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons deux Saint-Élément. Sur ce, nous appelons Papa Sokipiter. Nous appelons Papa Benga Soki Bodrik, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Veuillez vous lever, les pasteurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons faire une lecture dans Luc 15, de 21 à 24. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangez et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel, notre Dieu, nous te louons, te magnifions pour ces temps bénis et précieux que tu nous accordes aujourd'hui. Tu as permis que tes enfants reviennent vers toi. Tu les as aidés à comprendre que le péché est une séparation d'avec ton amour, ta communion et ton autorité. Veille sur eux pour qu'ils discernent que la vie, loin de ta communion, de ta présence, est synonyme de mort spirituelle. Aide-les, Père Saint-Esprit, à triompher de Satan au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, vous êtes de Kimbanguiste. Vous connaissez le fonctionnement de l'Église. Vous connaissez les commandements de Dieu et le précepte de l'Église tel que nous venons de le lire. Aujourd'hui, l'Église tout entière se réjouit de votre réintégration. Ainsi, nous vous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous pouvez vous lever pour un coup d'honneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons passer à la seconde partie concernant les convertis que nous appelons communément le Sekoki. Ce sont nos frères et sœurs chrétiens en provenance d'autres confessions chrétiennes et qui aujourd'hui nous rejoignent au sein de l'Église Kimbanguiste. Ils acceptent Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. L'Église reconnaît leur baptême et ne les baptise plus. Je demande à Papa Diacre de procéder à l'appel nominatif de convertis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons 7 convertis. Ainsi nous appelons Papa Kumba Vwama Joseph. Mama Bwanga Josephine. Présent.
Papa Tiekolo Emmanuel. Papa Assomeli Marcel. Maman Mabundu Céline. Maman Lubondo Véronique. Papa Mabilama. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pasteur, levez-vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons procéder à la lecture des Actes des Apôtres, au chapitre 19, de 2 à 6. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils répondirent : Non, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Et il répondit, « Jean. » Et Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Et ayant entendu ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Paul, leur ayant imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Prions. Nous te remercions, Père Saint-Esprit, de ce que tu as voulu que tes enfants, frères et sœurs, se joignent à nous aujourd'hui pour te servir. Accompagne-le à demeurer ferme dans leur foi et en s'impliquer avec ardeur dans ton travail. Manifeste la profondeur de ton amour, afin que ta lumière rayonne sur leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, sachez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons recevoir nos frères au sein de l'Église et de notre paroisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous pouvez vous lever pour un tour d'honneur au rythme de la...
Fils et du Saint-Esprit. Nous allons maintenant procéder au baptême de catéchumène, ce que nous appelons communément le lundi. Il s'agit de frères et sœurs qui n'ont jamais été baptisés ou de ceux qui sont venus de confession dont le baptême n'est pas reconnu par l'Église kimbanguiste. Nous voulons dans un premier temps dire que le baptême est un sacrement. C'est une nouvelle naissance. C'est un engagement sacré vis-à-vis de Dieu. Comme cela est écrit dans le livre de Proverbes. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Devenir chrétien, c'est un engagement sacré. Et tout chrétien doit réfléchir avant de s'y engager. Parce que devenir chrétien, c'est persévérer jusqu'à la mort. Comme cela est écrit dans Matthieu 5, 37, « Que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on ajoute vient du malin. » Ainsi, je vais demander à Papa Diacre d'appeler les catéchumènes pour s'agenouiller devant le pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons 21 catéchumènes. Nous appelons Papa Mwendi Manjo Dominique. Papa Gabriel Tiloulou Jérémy. Papa Zola Jérémy. Papa Ebele Mbela Plamedi. Papa Kungikama Jivenal. Papa Mayala Povolo Melvi. Papa Dikisivi Gilio. Papa Dia Lumengene Ntingu Edgar. Papa Kingomi John. Mama Silutadi Maiwen. Mama Zola Adriana. Mama Zola Fudi Marie Joyce. Mama Kinzembo Kimbi Lizette. Mama Miyavanga Kumbu Celia. Mama Masaki Mpiutu Lindsay. Mama Luvumi Nangindu Celeste. Mama Ekebe Mbela Sirciel. Mama Lucila Noela. Mama Dilubenzi Classis. Mama Muzu Nelian. Mama Lufinama Bakutuvidi Jennifer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Révérend pasteur, veuillez vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, car comme à Adam, toute l'humanité a péché, en lui, elle retrouve la vie éternelle.
Que l'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quiconque croit en Christ est baptisé et met en pratique ses commandements a le salut. Celui qui ne croit pas en lui se prive du salut. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables, car bien que je sois ton serviteur, je suis moi-même aussi pécheur et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit à mes amis qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, afin que Satan soit effrayé de les tenter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amis, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
révérend, veuillez vous asseoir. Nous arrivons à la fin de notre cérémonie baptismale et nous allons faire une prière finale. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient de procéder au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa croix vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Faki, pour la sortie.